On va parler d'un projet de création donc d'un collectif. Collectif qui regrouperait un peu les artistes ou du moins les acteurs culturels donc de Narbonne et donc de l'agglomération. Enfin, on va essayer d'ouvrir ce collectif à toutes les disciplines artistiques. Ce soir, on va essayer d'exposer un peu le projet de ce collectif. Donc, on a décidé d'appeler le CIAN, Collectif Interartistique du Narbonnais. S'informer les uns aux autres, s'aider les uns aux autres. Nous sommes dans un monde de crise, nous sommes dans un monde aux valeurs matérielles qui prennent le dessus. Nous, artistes, montrons-nous solidaires entre nous. Voilà, en fin de compte, le projet du CIAN, c'est une solidarité entre tous les artistes du Grand Narbonnais. Un désir donc d'organisation, de regroupement et de créer un outil de communication entre nous et envers aussi donc tous les décideurs. Possible, les décideurs, organisateurs, et pour parler des élus, c'est vrai que bon, on a eu quelques réunions, l'accueil est très bon et on espère pouvoir faire du bon boulot. Quoi. Géographiquement, donc l'appartenance à ce collectif. La réponse pour le moment, on ne l'a pas à 100% cette réponse, parce qu'il est forcément très difficile pour nous de refuser l'accès peintre, photographe de Sijan, tout ça parce qu'il n'appartient pas à la communauté d'agglomération. Il me semble que les choses changent et que ça nous souffle un peu, on sent un peu le vent dans les oreilles, donc on a une espèce d'envie et de désir donc d'agir. Voilà.